يا متابعينا في قناة يوتيوب لا فالور ابسولو اللي هي قناة تعليمية خاصة بالمواد العلمية والأدبية. باش ما يفوتك حتى شيء ما تنساش تعمل ابوني في لا فالور ابسولو. الفيديو متاعنا اليوم ديستيني aux élèves de la deuxième année section économie gestion. الموضوع متاعها هو l'entreprise centre de décision. On va essayer d'expliquer ce chapitre avec un résumé. Donc, commençons par définir l'entreprise. On a essayé de simplifier la définition de l'entreprise à travers ce schéma. Donc, l'entreprise est un groupe de ressources humaines liées au personnel de l'entreprise, ressources matérielles liées au capital physique, tout ce qui est machines, locales, etc. et les ressources financières les comptes en banque, etc. la caisse, ainsi de suite. Destinés à la production de biens et services et les exposer au marché pour satisfaire le besoin de ses clients. L'objectif de chaque entreprise est de réaliser des bénéfices. On va voir maintenant le rôle de l'entreprise. L'entreprise a deux rôles. Un rôle économique et un rôle social, qui me trouve dans ce tableau. Le rôle économique, l'alimentation du marché en biens et services pour satisfaire les besoins des consommateurs. Elle construit aussi un facteur de développement économique par la création des richesses et d'emplois. Le rôle social, elle permet de satisfaire les besoins sociaux des salariés. Les besoins sociaux, les contributions sociales pour les salariés, qui m'a le CNSS, etc. Et elle participe aussi à la redistribution des revenus. Remarque, la distribution de revenus tire qui m'a trau dans ce schéma, pour le personnel à travers le salaire, pour l'État à travers l'impôt et taxes, pour les associés à travers les dividendes, la CNSS à travers les cotisations et la banque à travers les taux d'intérêt suite à l'octroi des crédits. L'objectif de l'entreprise. L'objectif de l'entreprise qui m'a dit là, la réalisation d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, la quantité totale produite fois le prix unitaire. Maintenant, on va essayer de classer les entreprises selon deux critères. Premier critère, la nature d'activité et le second, selon la forme juridique. Ben, qui نحكيو على la nature d'activité. C'est très simple. L'activité industrielle, liée à l'achat, la fabrication et la vente à la fois. Donc, il y a la fabrication, l'industrie commerciale, liée juste, elle achète des produits et elle les vend. L'activité agricole, par exemple, les élevages, les cultures de terre agricoles. Et la prestation de services, qui m'a l'auto-école, qui m'a les ménageries, ainsi de suite. Et selon le deuxième critère lié à la forme juridique, donc l'entreprise Najmtkoun, une entreprise publique, le capital appartient entièrement à l'État, qui m'a par exemple les ministères, qui m'a la STEG ou l'aide semi-privée. L'entreprise de management privé, le capital appartient aux personnes privées entièrement, et semi-public, le capital appartient à l'État et aux personnes privées. Donc, les entreprises privées, inajmulkono individuelles ou inajmulkono des entreprises sociétaires. Donc, le capital, l'entreprise individuelle, le capital est apporté par une seule personne et la responsabilité du propriétaire est illimitée. Le propriétaire, société هو اللي يحكم فيها، هو اللي يتحمل مسؤوليتها، هو يلجأ للأمور متاحة ويتصرف فيها كما يحب. On a d'un autre côté les entreprises sociétaires, le capital est apporté par plusieurs personnes. Les entreprises sociétaires, on a deux cas, les sociétés de personnes, il fait le nombre des associés est de 2 à 7. Par contre, les sociétés de capitaux, le nombre des actionnaires, il définit les sociétés de capitaux. Le capital sera divisé en actions. D'accord? Donc, quand on parle de l'entreprise, les sociétés de personnes, on parle des associés. En rouge. Quand on parle des sociétés de capitaux, on parle d'actionnaires. Le capital est apporté بيناتهم ou divisé بيناتهم هما. On a la société de personnes, la responsabilité est illimitée. Le contraire, la société de capitaux, la responsabilité est limitée. La décision, les sociétés de capitaux, la décision, maintenant je te tiens avec l'accord de tous les actionnaires. Pour la société de personnes, le capital divisé en parts sociales, exemple, société en nom collectif, qui m'a l'entreprise Ahmed et Fils, étant donné Nraoum et Dombarcha. Pour la société de capitaux, le capital est divisé en actions, qui m'a les sociétés anonymes. Les fonctions de l'entreprise. Donc, dans une entreprise individuelle, on distingue 5 fonctions. La fonction approvisionnement, il s'agit de mettre à la disposition des autres fonctions de l'entreprise, les matières premières nécessaires, les produits nécessaires à la production. La fonction production liée la transformation de cette matière première à travers plusieurs opérations et techniques pour produire des produits finis. La fonction commerciale est liée communiquer avec le client et assurer les opérations de vente, tout ce qui est réception de commandes, mode de paiement, etc. La fonction de ressources humaines liée le recrutement du personnel, la formation du personnel, le paiement des salaires, des cotisations sociales, etc. Et la fonction financière, l'entreprise est tenue d'assurer et de mettre à la disposition les moyens financiers nécessaires pour la production. Donc, on passe. Juste pour expliquer ce tableau, on tape tout film lire, qui en coule aux fonctions d'approvisionnement, l'entreprise doit assurer le stockage, par exemple, de matières premières pour éviter les ruptures de stock. Si cette fonction n'est pas aboutie, le processus de production, donc, production. Les fonctions de l'entreprise, ce sont des fonctions complémentaires qui dépendent l'une de l'autre. Inch'Allah, nous avons le chapitre l'entreprise centre de décision. Ça n'est une vidéo prochaine pour le chapitre suivant.